Au courant de son premier choral en mi majeur, Zézafranc demande: Mettez les fonds de 8 pieds hautbois et trompette. Et voilà, tous ces jeux sont disponibles. Pour l'accompagnement, le compositeur veut bien la flûte et le bourdon, ainsi que les flûtes de 8 et de 16 pieds pour la pédale. Et voilà. C'est très nettement la sonorité que Zézafranc s'est imaginée, fait très remarquable pour un instrument de 1862. Mais ici, c'est fini. Le compositeur prescrit « Mettez la voix humaine et un tremblement très douce. » Ces jeux ne sont pas là.